peu vers toi. Ah, ils sont à l'inverse, ils ont... Scopitaine et compagnie, c'est une compagnie de théâtre d'objets qui existe depuis 2002, alors on commence à vieillir un petit peu. Et voilà, on a différents spectacles, on a The Patrick Atodix, Kamikaze, entre-temps il y a eu aussi Formule 1, Mob sur nos fameuses mobilettes, et puis on est venu à Nivillac présenter notre dernière création. Juliette plus Roméo égale AESD. Amour éternel sans divorce. Voilà. Et après, c'est fini le spectacle comme ça. Voilà. C'est rien à voir avec le fait qu'en fait, tu as trouvé un disque. On cherche, et qu'on sait qu'il y a le début du spectacle, c'est pas encore là, et que dès que tout d'un coup, tout marche. Tout suit, tout. Quand c'est complet, il y a un moment quand tu sens, ah ouais, ouais, ça marche. Ça va pas toujours comme ça, mais les moments que tu sais, ok, tout le travail qu'on a fait, oh ouais, bon, on arrive là. Ouais, puis quand il y a une belle alchimie, un petit peu ce matin avec Serge, et sinon, moi, pour être honnête, c'était à Bruxelles. La semaine dernière, parce qu'on a, sur ce projet, on a travaillé avec Serge Boulier du Bouffe Théâtre et Agnès Limbose de la compagnie Gare Centrale. Et quand on arrive au produit fini, on est toujours un peu impressionné, même si on a travaillé avec ces gens-là sur ce projet. On est toujours un petit peu impressionné, impatient en même temps de leur dire regarde, ça y est, on voit le bout, qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Alors, on a toujours des retours, mais je sais que la dernière fois qu'on a joué à Bruxelles, Agnès était là, et c'est une séance qui s'est plutôt très bien passée. Donc, c'est vrai que quand on arrive derrière le décor, caché par nos Barbies, soit on fait ça. On se fait ça. Oh, soit on fait ça.